Eh bien, scorecard qui retrouve le sourire, remportant ainsi sa quatrième victoire ici au Champ de Mars, se rappelant des bons souvenirs. Et il revient bien sur la fin, Jean-Michel, alors qu'on pensait que c'était plié, puisque Tripster avait l'air tellement facile à entrer du virage. Mais une nouvelle fois, les 1400 mètres, c'est un peu le bout du monde pour lui. Et scorecard arrive juste à temps pour le reprendre. Oui, certainement une pensée spéciale chez toi, monsieur. À feu, M. Ramdani, qui était un fidèle supporter de moi, enfin de l'écurie en général. Et ben, une pensée à lui et à sa fille, Dipa. Voilà. Ceci dit, ben, je suis très heureux avec les nouveaux propriétaires qui viennent d'acheter le cheval la semaine dernière. Et ben, ça fait plaisir, le cheval était très très bien à l'entraînement, mais bon, on avait vraiment peur de votre Tripster et le nouveau Jolly Roger. Mais ceci dit, c'était un des chevaux les mieux dans le paddock, il était vraiment un tableau aujourd'hui. Alors on avait un petit silent hope avec lui. Et effectivement, le 1400 mètres et les false rails nous ont beaucoup aidés aussi. Alors, à l'entrée du virage, vous y croyez ou bien vous pensez que les carottes étaient cuites? Non, à l'entrée du virage, au 400 mètres, je me dis que Tripster allait trop vite devant et je pensais qu'on avait une chance avec nos deux chevaux, en fait. Alain Mipak aussi est bien revenu vers la fin. Et les deux ont bien couru, ça fait plaisir. Alors, on vient de voir ensemble ce rythme total. Lui aussi, il est vraiment magnifique dans le rond. Oui, il est magnifique lui aussi, mais c'est quand même une course assez difficile avec Aymar. Et là, je vois le cheval Alfiranze aussi. Je vois que la cote a beaucoup bougé. Il faut quand même respecter ça et faire attention. Eh bien, en tous les cas, bravo Jean-Michel. Et en espérant, pourquoi pas, se retrouver juste après. Merci. Super. Donc voilà, belle victoire de Scorecard qui retrouve le Winners Enclosure dans un très très beau style et la sortie vraiment superbe coup de rein pour finir, messieurs.